Toué, c'est le nom qu'on me donne depuis le XVIIe siècle. Je suis né en Gâtine, dans un paysage bocager, fait de haies vives, de prairies humides, de mares et d'étangs, et ainsi très prisé des bovins. Je nais sous la forme d'une mare, résultant de la convergence de 5 ruisselets, et ce, sur le territoire de la commune du Beugnon, à 223 mètres d'altitude, tout près de la ferme de la Pointerie. Et je me jette dans la Loire, à Saint-Hilaire-Saint-Florent. Après avoir parcouru 152 km, principalement en terre de Sévrienne, et reçu la Dive sur ma rive droite, et le Sébron, le Thoiré et l'Argenton sur ma rive gauche. Paisible aujourd'hui, j'ai pourtant connu, jadis, une intense activité, avec le flux des navires marchands qui me remontaient jusqu'à Montreuil-Bellay, où un port avait été aménagé. Il fut même envisagé de prolonger ma navigabilité jusqu'à Thouars, mais le projet fut abandonné. Alors, rivière d'apparence tranquille, je vais, m'affranchissant des barrages, Bertuit, portes marinières et autres écluses. D'un pont à l'autre, d'un moulin à l'autre, et je m'imprègne de leur histoire, tout en me laissant distraire par les paysages qui se succèdent sur les 34 communes que je traverse. Et les villes qui ont bien voulu se construire sur mes rives. Allez, laissez-vous porter par mes eaux, depuis le Beugnon jusqu'à Saint-Hilaire-Saint-Florent, et ouvrez grand vos yeux.
bon rapport avec les hommes et je me suis très bien accommodé des différents aménagements dont j'ai été l'objet de leur part pour faciliter leur vie quotidienne. Ainsi, les nombreux barrages et travaux connexes qu'ils ont réalisés sur mon cours ont pu canaliser mon impétuosité mais aussi me rendre navigable ou utile pour la production d'énergie. Malheureusement, en ce début du XXIe siècle, certains usages ont disparu. Les lavandières se sont tues. Les éclusiers et bateliers se sont effacés. Les meuniers sont partis, abandonnant leurs moulins. Les aubergistes ont fui et les guinguettes ont dépéri. Voilà ce qu'il reste de Pommiers Plage. Les cabines ont disparu. Et l'auberge, la fameuse auberge de Pommiers, qui ne travaille plus depuis très longtemps. Au dire de certains, je ne fonctionnerai plus comme il le faudrait. Je n'assurerai plus la circulation des poissons et des sédiments. D'où la nécessité de me réaménager, et ce, conformément aux directives européennes. On envisagerait même la suppression de certains barrages endommagés. Alors qu'il suffirait de réaliser quelques travaux pour que je reste utile à tout le monde. Redonnant de surcroît de nouvelles couleurs au paysage de cartes postales que j'ai co-façonné avec les hommes et qui ont quelque peu jauni avec le temps.